aujourd'hui. Je me présente Maxime Vachon. Vachon, de la région de Mégantic. Ma grand-mère Mariette Roy ici, qui est mariée avec mon grand-père Rosaire Vachon de Mégantic. Et moi, je suis de la région de Beuré. Je ne sais pas si vous connaissez, entre Mégantic et Sherbrooke. Donc, c'est un privilège pour moi d'être ici aujourd'hui, parmi vous, parmi les frères de la Beauce. Donc, ayant mes racines en Beauce, c'est un honneur d'être ici parmi vous. Mais je remercie le pasteur Luc aussi de m'avoir invité et de me faire confiance aujourd'hui pour vous apporter la parole. Donc, pasteur Luc, on s'est quasiment croisés, il est à Chambly aujourd'hui, puis moi, je suis ici parmi vous. Donc là, je vais juste me mettre un chronomètre pour ne pas passer trop loin. Il faut me garder un petit peu 10 minutes. Bon, parfait. Donc, ce matin, le titre du message que je vais vous apporter, c'est « Une chaleur bouleversante ». Puis avant qu'on aille dans le texte de la parole, j'avais envie de vous parler un petit peu d'un souvenir d'enfance que j'ai. J'avais un grand-père qui est acériculteur, puis on allait à l'érablière dans le temps des sucres. Puis dans ce temps-là, comme la plupart de vous doivent savoir ici en Beauce, vous devez tous savoir connaître quelqu'un qui a une érablière. On chauffait le champion, hein, on ouvrait deux grandes portes pour remplir ça bien plein de bois franc, du bois d'érable bien sec. Puis quand grand-père ouvrait les portes du champion, c'était pas n'importe quelle chaleur qui sortait de là, c'était une chaleur qui était bouleversante. C'était une chaleur qui nous forçait à nous tasser de là. Hein? C'était tellement chaud, ça prenait des gants, ça prenait une perche, puis on s'approchait pas trop proche du champion. Donc ce matin, on va parler d'une chaleur qui est en nous. Hein? On doit avoir cette chaleur-là, nous, comme chrétiens. Une chaleur qui est bouleversante pour ceux qui s'approchent de nous. Donc ce matin, nous allons nous lever, nous allons aller dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 2, versets 1 et 4. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Et je fais la lecture pour vous. « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison, et ils étaient où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Seigneur Jésus, merci Seigneur pour cette grâce incroyable, Seigneur, que tu nous as fait, Seigneur, de pouvoir être sauvés par la foi en ce que tu as accompli à la croix du calvaire, Seigneur. Le jour où tu t'es révélé à nous, Seigneur Jésus, ta lumière, Seigneur, est venue éclairer nos ténèbres, Seigneur. Et Seigneur, tu as allumé un feu, Seigneur, en nous. Et Seigneur Jésus, ta volonté, Seigneur, pour nous, c'est que ce feu, Seigneur, brûle de plus en plus fort, Seigneur, à chaque jour, Seigneur, que tu nous accordes de vivre sur cette terre, Seigneur. Et Seigneur, nous te prions ce matin, Seigneur, de venir souffler, Seigneur, sur la flamme, Seigneur Jésus, qui est dans nos cœurs. Et Seigneur, que ce cœur, Seigneur, puisse s'embraser, Seigneur, pour toi, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est en ton précieux nom, le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que j'ai prié. Amen. Donc, vous savez, Dieu a allumé une lumière, une flamme en nous. Et moi, quand j'étais plus jeune, j'étais catholique, on allait à la messe, puis il y avait toujours un petit coin pour faire brûler des lampions. Hein? La lumière brillait à l'extérieur. Mais nous, depuis qu'on est sauvés, depuis qu'on a accepté le Seigneur dans nos vies, le lampion que Dieu a mis est en dedans de nous, mais pas pour que ça reste un lampion. Hein? Il veut que ça devienne un feu dévorant. Il veut que ça devienne un champion, le champion
sous les évaporateurs hein, qui faisaient évaporer l'eau pour aller extraire le sucre. Hein. Donc ici, on est si fiers au Québec, puis encore dans la région de Beauce, le temps des sucres, c'est quelque chose qui nous est cher. Mais ça vient avec beaucoup, ça nécessite beaucoup de chaleur, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail pour pouvoir faire évaporer l'eau puis pouvoir aller extraire le sucre. Mais nous, le sucre, c'est la vie de l'esprit, c'est une vie purifiée. On a besoin de cette chaleur-là pour pouvoir aller plus loin avec Dieu. Quand on lit dans les Actes des apôtres, ce qui nous revient quand on, dans le passage que nous venons de lire, on lit « Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Hein? » Le Saint-Esprit est venu avec un bruit. Le Saint-Esprit n'est pas silencieux. Comme celui d'un vent impétueux. Impétueux, on va voir la définition, ça veut dire violent, rapide. Hein? C'est cet esprit-là qui est descendu le jour de la Pentecôte, qui est venu dans les chrétiens de l'époque. C'est encore le même Saint-Esprit qui est en nous. C'est encore la même expérience que Dieu veut donner à chacun de nous. Parce que ça dit que les langues de feu sont descendues sur tous, sans exception, tous ceux qui le cherchaient, tous ceux qui le demandaient, tous ceux qui le désiraient. Donc, si on le désire ce matin, le Saint-Esprit va venir sur nous de la même manière pour nous donner cette puissance-là, ce feu-là qu'on a besoin dans nos vies chrétiennes pour être victorieux. Donc, ici, on a lu un passage qui fait référence à l'Église des premiers temps. Hein? L'Église est venue au monde par le Saint-Esprit qui est descendu sur les chrétiens. C'est Jésus qui est venu fonder son Église. Mais nous, on est l'Église, pas des premiers temps, on est l'Église des derniers temps. On est à la fin des temps. Et je crois que l'Église militante de la fin des temps que nous sommes, on doit vraiment regarder à l'Église des premiers temps. Qu'est-ce qui est écrit dans les Écritures? Qu'est-ce qu'il vivait? Comment que Dieu se manifestait à travers l'Église? Donc, l'Église des premiers temps avait une chaleur qui bouleversait son époque. C'est une Église qui était dans le milieu d'un empire romain rempli de violence, rempli de péché, rempli de paganisme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit revenir au galop? Le même esprit, le même paganisme, le même péché. Et nous, on ne doit pas se cacher, on ne doit pas avoir peur parce qu'on a le Saint-Esprit avec nous. On a le Saint-Esprit qui est puissant avec nous. C'est le même Saint-Esprit. Pierre, vous savez, Pierre qui a renié trois fois le Seigneur Jésus, une fois qu'il a... Oh, merci beaucoup. Merci, je vais en profiter pour... Gloire à Dieu. Vous savez, Pierre, c'était quelqu'un comme vous et moi. Il a renié trois fois le Seigneur Jésus. Puis une fois qu'il a reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ils sont sortis sur les places publiques, puis Pierre a commencé à prêcher. Puis ça, il faut garder en tête que c'est dans le contexte que Jésus vient de se faire crucifier. Il y en avait plein de raisons d'avoir peur. Amen. Nous aussi, on a plein de raisons d'avoir peur aujourd'hui si on regarde ce qui se passe dans le monde. Pourquoi Pierre avait pu peur? Il venait de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Puis il y a eu 3 000 âmes qui ont été sauvées à ce moment-là. Moi, je ne vois aucune raison pour qu'aujourd'hui, il n'y ait pas des âmes qui ne puissent pas être encore sauvées par la même puissance qui agit dans ce temps-là, puis qui agit à travers nous. Donc, ces âmes-là ont été touchées au vif. On l'a entendu tantôt dans les prières. On témoigne, mais après ça, c'est la puissance du Saint-Esprit qui va convaincre les âmes. Hein, par l'intercession, par notre témoignage, les gens nous voient vivre. Ils voient la différence entre nous et eux. Ils voient l'espérance qu'on a, qu'eux n'ont pas. Donc, encore aujourd'hui, nous, on est appelés à être encore des pierres. Tout le monde ici, on est tous des témoins de Jésus. On est tous été sauvés par la grâce de Jésus. Dans un autre exemple, Pierre et Jean ont encore témoigné publiquement face aux religieux de l'époque. Puis il y a encore eu 5 000 âmes qui ont été sauvées d'un coup. Amen. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus
la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva environ à 5000. Donc, Pierre, étant rempli du Saint-Esprit, avait plus la crainte des hommes, mais il avait la crainte de Dieu, puis il y avait une puissance qui l'accompagnait. C'est ça qu'il faut chercher, frères et sœurs. Il faut être des pyromanes pour le Seigneur. Il faut mettre le feu partout. Le feu partout ici à Saint-Georges. Allumer des petits foyers d'incendie partout. Je me rappelle d'un souvenir. Mon cousin se construisait une maison. Il avait coupé le bois, puis là, il brûlait. Mais c'était un terrain sableux. Puis c'était sec. Puis là, on brûlait les branches dans un coin. À un moment donné, on se rendait compte que le feu avait pris ailleurs. Amen. C'est ça qu'il faut faire, nous. Il faut mettre le feu partout, puis quand ils viennent éteindre une place, ça rallume ailleurs. Ils ne peuvent pas éteindre le Saint-Esprit. Amen. Ils ont essayé pendant 2000 ans, ils n'ont pas réussi, puis ils ne réussiront pas encore aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Amen. Donc, un chrétien qui brûle, c'est un chrétien qui, inévitablement, va bouleverser tout le monde autour de lui. Vous allez susciter des réactions. Les gens vont changer de bord de trottoir. Les familles vont peut-être vous éviter pendant un temps. Vous allez déranger. Amen. Mais c'est correct de déranger pour la vérité. Amen. Donc, dans Actes 17:6, « Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Ça, c'était la marque de commerce, la réputation des chrétiens de l'époque. Est-ce qu'on a la même réputation aujourd'hui? Moi, je sais une chose, les Beaucerons, ils ont une réputation. Ça va travailler à Montréal, les Beaucerons, c'est des gros travailleurs, c'est des vaillants. Les Beaucerons, ils ont une réputation. Les chrétiens aujourd'hui, est-ce qu'on a une réputation? On devrait avoir la même réputation aujourd'hui. Alléluia. Donc, quand on flambe, pour le Seigneur, on va avoir une force de témoignage. Hein? Il faut que ce feu-là brûle en dedans. On ne sort pas dehors si on n'a pas le feu qui brûle. Hein? Il faut l'entretenir, ce feu-là. On va le voir avec le message. Puis ça nous prend la grâce de Dieu pour le faire parce qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Dans Actes 4:33, on lit que les apôtres rendaient avec beaucoup de force, pas un peu de force, beaucoup de force. Témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Et là, ce qui est important de remarquer dans ce passage-là, c'est qu'ils ont commencé par témoigner, ils ont pris le risque, on se lance, on témoigne, ça fait peut-être peur, comme ça va être quoi la réaction que je vais avoir, ils ont témoigné avec beaucoup de force et une grande grâce, c'est ensuite que la grâce vient. Amen. Il faut se lancer. Il faut aller à l'attaque. Donc, il n'y avait pas honte. Il n'y avait pas peur. Hein, il ne laissait pas de place à la paresse dans leur vie spirituelle. Il ne laissait pas de place au doute. Parce que toutes ces choses-là, ça peut facilement nous rentrer dans l'esprit. Satan veut nous planter des doutes, des peurs. C'est sa manière de nous freiner. Nous, il faut contre-attaquer par la prière, par la parole. Hein, lire des psaumes, il faut pas se laisser abattre. Donc, celui qui brûle, hein, le chrétien qui brûle, c'est un chrétien qui va être heureux même dans la persécution. Nous savons que nous sommes dans des temps, nous voyons peut-être la persécution arriver bientôt. Si le Seigneur tarde, ça se pourrait que nous vivions de la persécution. Mais si on lit les Actes des Apôtres, si on lit notre Bible, nos Écritures, ça ne devrait pas nous inquiéter. Parce que dans Actes 5:41, nous lisons « Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Amen. Donc, pour un chrétien bouillant, la persécution, c'est comme ouvrir les portes du foyer puis remplir ça de bois. Ça brûle plus, il continue, ça le nourrit d'avoir été jugé digne.
Hein? C'est ça que les apôtres ont dit ici, de subir des outrages pour le nom de Jésus. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent pour absolument aucune raison. Ils souffrent pour le diable. Ils souffrent en servant Satan. Nous, on sert Jésus-Christ. On a la vie éternelle comme promesse. Amen. Nous, on est des soldats de la vérité. Donc aujourd'hui, nous allons voir des modèles dans la Bible, hein, des modèles de gens, d'hommes de Dieu qui avaient ce feu-là, cette chaleur bouleversante-là dans leur cœur. Puis on va commencer par Moïse. Moïse qui avait un visage qui brillait, puis on lit ça dans 2 Corinthiens 3:7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Donc là, ici, on a Moïse, qui était de la même nature que nous, mais il était tellement proche de Dieu qu'il avait sur son visage une gloire tellement intense que les gens de l'Assemblée n'étaient pas capables de le regarder. Et ça, c'est une image pour nous dire, nous, si on veut être bouillant, être rempli de chaleur, une chaleur qui bouleverse, il n'y a pas d'autre option que de se rapprocher de Dieu. Moïse est en contact direct avec Dieu sur la montagne, parler avec Jésus face à face. Nous, on est capable de faire ça dans nos lieux secrets. Maintenant, le voile a été déchiré. Donc, il y a le contraire de ça dans la parole, dans Genèse 4:6, qui dit « Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? » On sait que Caïn avait tué son frère. Donc là, on voit que le péché, si on a du péché dans nos vies, qu'on ne se repent pas, on ne demande pas pardon au Seigneur pour le péché, notre visage ne sera pas glorieux, on n'aura pas de liberté pour servir Dieu, mais là, le visage va s'abattre, puis là, c'est le feu qui commence à se refroidir dans nos vies. Donc nous, il faut être des véritables lance-flammes. Hein? Il faut, dans cette fin des temps, on a besoin de prendre toutes les armes de Dieu. Tout ce que Dieu met à notre disposition, il faut tout prendre. Parce qu'on fait face à un ennemi qui est puissant. Mais nous, on a un Dieu qui est tout puissant. On n'a pas à avoir peur, frères et sœurs. Et si on brûle, hein, si vous savez que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Vous savez que Dieu habite en nous. Puis, à l'intérieur de ce temple-là, c'est pas visible, hein, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chacun de nos temples. Dieu seul sait tout ce qui se passe, en bien comme en mal. Mais pour un chrétien qui bouille, un chrétien qui est chaleureux, ça va venir percer les murailles des temples. Vous savez, quand on bouille pour le Seigneur, puis qu'on marche avec Dieu, puis on marche, puis on prêche la vérité, les gens qui ont du péché en eux vont se sentir inconfortables. Puis, à un moment, pour nous tous, il y a eu un moment donné où on était livré au péché, avant d'être inconfortable face à la vérité, puis là, Saint-Esprit nous a attirés au pied de la croix. Et nous, c'est normal que si on bouille, on va rendre les gens inconfortables autour de nous. Mais c'est la volonté de Dieu pour que ces gens-là connaissent la vérité, puis ces gens-là puissent se repentir, croire, puis être sauvés. Il y a dans Ézéchiel 8:8, on lit qu'il me dit « Fils de l'homme, perce la muraille. » Je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. Parce qu'à ce moment-là, le peuple de Dieu se livrait à des abominations à l'intérieur même du temple d'Israël. Et là, Dieu a envoyé un prophète pour percer la muraille, pour aller dévoiler ce qui se passait là-dedans. Donc, ce qu'il faut avoir, ce qui est une combinaison de briller et de brûler. Je vous explique la différence. Si vous êtes l'hiver dans un champ, il fait moins 30, vous n'êtes pas trop habillé, puis vous voyez une lumière là-bas au loin, vous vous dites, hé, je vais aller là, ça vous attire parce que la lumière, ce qui brille, va vous attirer pour dans l'espoir de vous réchauffer. Okay? Fait que vous allez marcher, vous allez vous dépêcher, vous allez arriver proche. Et là, si vous arrivez proche de la lumière,
puis que c'est une lampe, c'est juste une lampe d'aile, c'est pas la même chose que si vous arrivez, puis c'est un beau gros feu de camp. Amen. Nous, comme chrétiens, on veut être des beaux gros feux de camp. On veut que les gens, on va les attirer par la parole qu'on dit, par nos témoignages. Mais quand ils vont arriver, il faut qu'ils trouvent un feu qui brûle. Il faut qu'ils trouvent qu'il y a du réel, qu'il y a quelque chose qui est vrai, qui fait une différence dans nos vies. C'est pas juste un feu de paille. Amen. C'est pas juste une apparence. Donc, cette combinaison-là d'un chrétien qui brille et qui brûle, ça va pénétrer le péché. Ça va dévoiler des désobéissances dans les pécheurs, des fois même dans des frères, des sœurs chrétiens. On va se l'admettre, on n'est pas parfait. On a été sanctifié par le sang de Jésus. On est en processus de purification. Puis, on travaille à continuer à se purifier par la grâce de Dieu. Donc, ça va mettre à jour le faire à croire. Hein? On n'est pas ici pour faire à croire. On n'est pas ici pour se dire, hey, nous autres, on est meilleurs qu'eux autres dehors. On est ici parce que Jésus nous a sauvés, il nous a fait une grâce en nous sauvant, gratuitement par la foi, puis c'est lui qui a tout fait, puis c'est lui qui fait encore tout dans nos vies présentement, jusqu'à notre mort. Il y a un autre homme de Dieu, on va parler d'Étienne maintenant. Étienne, tout le monde connaît Étienne, dans Actes 6:15. Nous lisons « Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. » Encore une fois, on a l'exemple d'un chrétien de l'époque hein, qui avait été choisi pour être diacre dans son église, pour servir aux tables. Mais ce n'est pas parce qu'il servait aux tables qu'il n'était pas rempli du Saint-Esprit, qu'il n'était pas rempli de puissance, qu'il ne connaissait pas sa Bible sur le bout de ses doigts. Hein, puis, il est face au chef religieux. Il y avait, pendant qu'il était en train de se faire accuser puis persécuter, lui, son visage brillait. Donc, des tels visages reflètent quoi? Ça reflète la lumière de Jésus dans la personne. Hein? C'est pas quelque chose, cette lumière-là, cette gloire-là sur le visage de Moïse, d'Étienne, ça venait pas d'eux-mêmes. Ça venait de Jésus. Comme un peu la lune reflète la lumière du soleil, nous, on reflète la lumière de Jésus. C'est quelque chose qui vient d'un autre monde, qui est inexplicable. Et donc, c'est possible de voir ce genre de visage-là partout, dans toutes les assemblées chrétiennes. On devrait, en principe, voir beaucoup de ce genre de visage-là, parce qu'on a tellement reçu un grand cadeau. On a tellement reçu des belles promesses que c'est une gratitude de servir Dieu avec tout notre cœur. Dans Psaume 18, 29, « Oui, tu fais briller ma lumière éternelle, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. » Oui, Seigneur, le Seigneur fait une œuvre de purification dans notre vie, une œuvre de sanctification. Le Seigneur continue. Puis nous, il faut accepter de se soumettre à un feu, hein, vous savez, de moins en moins de feu à l'intérieur des maisons, mais un feu, ça demande de l'entretien, ça demande... Qu'on soit attentif. Des fois, il faut jouer avec la clé de la cheminée, mettre un petit peu plus d'air, il faut remettre un petit peu de bois, il faut brasser un peu les cendres. Le Seigneur nous a tout donné pour être dans la victoire, mais ça vient avec des instructions. Hein? Ça vient avec... On ne peut pas laisser le feu tout seul puis espérer que le feu va générer un maximum de chaleur. Il faut absolument veiller au feu, puis veiller au feu comme dans notre vie chrétienne, comment qu'on fait ça? Bien, Dieu nous a donné une quantité de bois sec infinie, qui est la parole de Dieu. Il nous a donné accès à lui par la prière, qui est l'oxygène. Hein? Fait que nous, là, on n'a aucune limite. Ce qui nous limite, c'est nous-mêmes. Amen. C'est notre volonté. D'utiliser ces outils-là qu'il nous a donnés pour alimenter le feu qui est en nous. Donc, Étienne brûlait dans les consciences. Vous savez, Étienne, il a fait face aux prêtres, aux chefs religieux de l'époque. Ce n'est pas la petite affaire, là. Hein, on pourrait dire aujourd'hui qu'il est devant il était peut-être devant le pape ou les cardinaux à Rome. Puis, il a fait face à ces gens-là. Puis vous savez, les gens religieux aujourd'hui, ils n'aiment pas plus les chrétiens authentiques.
les chrétiens qui s'attachent à la parole puis qui ne démordent pas de cette parole-là, les chefs religieux, ils nous aiment pas plus. Pourquoi? Eux, ils sont sur un gros bateau de croisière, confortable sur les mers terrestres. Puis nous, on est sur une petite barque. Hein? On est sur une petite barque qui a l'air, de leurs yeux, ça a l'air de rien. Mais ils voient bien que nous, on a quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils ne veulent pas lâcher le gros bateau pour venir dans la petite barque avec Jésus. Mais nous, notre petite barque, elle s'en va au ciel, frères et sœurs. Leur bateau, eux, s'en va en enfer. Donc, les religieux étaient jaloux. Puis la religion est remplie de mensonges. Puis c'est des gens qui sont orgueilleux. Hein? Pour être chrétien, là, ça prend premièrement de l'humilité. Puis c'est quelque chose qu'il faut garder tout le long. Parce que l'orgueil, c'est le premier péché. Satan qui a eu ça. Ça a été le début de toute la chute. Fait que nous, ce que ça nous prend premièrement pour que notre feu brûle, c'est rester vraiment humble, au pied de la croix, dans une attitude de repentance. Donc là, ce qui est arrivé, les religieux, eux autres, ils n'étaient plus capables d'entendre Étienne. Étienne leur déballait la vérité. Hein, il leur racontait l'histoire du peuple de Dieu, tout comment ça s'était passé. Il y avait une intelligence dans Étienne que ça les submergeait, puis là, la colère montait, puis vous pouvez voir ça sûrement quand vous témoignez à des gens, là, la colère monte. Il était tellement furieux là, qu'il grinçait des dents contre Étienne, mais Étienne, ça l'empêchait, il continuait, avec le Saint-Esprit en lui, qu'ils ont fini par le tuer en lui lançant des pierres, en lapidant, parce qu'il n'était plus capable de l'entendre. Mais on sait que Étienne a vu le ciel ouvert. Hein? Il n'a pas senti la douleur. Lui, il a été accueilli dans l'éternité par Jésus. Amen. Mais une chose qu'il faut se rappeler dans cette histoire-là, c'est que les religieux, ils peuvent être sauvés. Puis on a un exemple en l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était un grand religieux qui persécutait l'Église, qui persécutait les chrétiens. Puis le Seigneur l'a sauvé, puis a fait de lui un grand serviteur, puis il a utilisé Paul pour écrire la moitié du Nouveau Testament. Donc nous, on n'est pas là pour condamner même les religieux. Le plus grand des religieux aujourd'hui peut venir au Seigneur, être sauvé. On a l'exemple dans l'apôtre Paul. Mais c'est quand même un exemple de dire, l'apôtre Paul rentrerait ici aujourd'hui, un meurtrier de nos frères et sœurs rentrerait ici. On aurait peut-être la même réaction que les premiers chrétiens ont eue, on ne serait peut-être pas sûr au début. Mais avec le temps, on verrait que Dieu a vraiment fait une œuvre de salut dans son cœur. Donc, la chaleur d'un homme a fatigué toute la ville, a rendu la ville inconfortable et a fait suer tout le monde. Est-ce qu'on fait suer du monde, nous autres frères et sœurs, autour de nous? Est-ce que la ville de Saint-Georges est fatiguée en ce moment? Hein? Est-ce qu'ils se plaignent de nous? Tu sais, c'est ça l'exemple qu'on a dans les Écritures. Amen. J'espère qu'on est cette personne-là dans les milieux où Dieu nous met, hein, dans nos milieux de travail, dans nos familles, dans les places publiques, quand on marche, quand on croise. J'espère qu'on est ce genre de chrétien-là. Donc, on a d'autres exemples dans l'Ancien Testament. Dans 1 Roi 21, on a l'histoire de Naboth. Vous savez, le roi Achab voulait prendre la vigne de Naboth. Puis Naboth a dit, « Non, je ne te donne pas ma vigne, je ne te donne pas l'héritage de mes pères. » Puis Achab n'était pas content. Puis vous savez comment ça l'a fini? Ça l'a fini que Jézabel a fait un complot pour faire assassiner Naboth. Mais nous, notre vigne à nous, c'est les Écritures. Il y a des gens qui sont morts sur le bûcher pour traduire cette parole-là dans les langues courantes. Puis nous, notre héritage, c'est les Écritures, c'est la parole de Dieu, c'est l'Évangile tel qu'elle nous a été transmise. Puis vous savez aujourd'hui qu'il y a un mouvement qui s'appelle l'écuménisme, qui voudrait qu'on compromette, qui voudrait qu'on laisse aller les Écritures, des certains passages, pour qu'on puisse être dans un genre de tolérance interreligieuse. Puis qu'on a le même combat, frères et sœurs, soit qu'on va s'attacher aux Écritures, ou soit qu'on va laisser aller notre vigne au roi Achab. L'autre jour, j'étais au travail, j'étais en train de témoigner,
Puis, non, j'expliquais à un collègue, dans le fond, qui est un ingénieur en métallurgie, il avait un beau chandail Harvard University, là, puis il portait ça fièrement. Puis là, j'ai dit, tu sais que Harvard, initialement, c'était une université chrétienne évangélique. Il fallait lire la Bible au moins 1 heure par jour pour aller à Harvard. Ça l'a beaucoup changé. Là, hein, vous savez, quand il y a une apostasie, ça revient de l'autre côté. Mais là, il m'a fait la remarque, ouais, mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. Là. Hein? Le monde a passé à autre chose. Mais nous, on n'a pas passé à autre chose. Puis nous, on ne passera pas à autre chose parce qu'on sait que c'est la vérité. Puis on va s'attacher à la vérité. Donc, il y avait aussi les Gadaréniens. Vous savez, Jésus, quand il a traversé, il est tombé face à un homme gadarénien qui était possédé. Cet homme-là était possédé. Il avait une force incroyable. Des ulcères, il était tout. Jésus a chassé les démons dans cet homme-là. Puis l'homme est revenu à son bon sens. Ça, on pense que c'est quelque chose. Des fois, on pense, ah, c'est juste dans le temps. Non, c'est encore aujourd'hui. Il y a encore des gadaréniens ici à Saint-Georges qui ont besoin d'être délivrés par Jésus, qui ont besoin que Jésus opère une délivrance. Ils ont besoin de notre intercession. Ils ont besoin qu'on leur parle de la vérité. Mais vous savez, les gens de cette époque-là, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus quand ils ont vu l'homme dans son bon sens? Laisse-nous tranquille, va-t'en, on ne veut pas te voir. C'est ça qu'ils ont dit à Jésus à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Jésus avait envoyé l'esprit mauvais dans les porcs, puis les porcs avaient été garrochés en bas de la falaise, puis ça les avait créé une perte financière. Vous allez entendre aujourd'hui les gens, vous témoignez aux gens, ils vont dire, moi je suis spirituel. Moi je suis spirituel, mais parle-moi pas de Jésus. Mais souvent, je suis spirituel, là, c'est l'adoration de puissance obscure. Amen. Dans Actes 19, 15, l'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Moi, je veux que les démons connaissent mon nom, puis j'aimerais que les démons connaissent chacun de vos noms aujourd'hui, hein, qu'on dérange la puissance de l'ennemi. Amen. Paul était capable de dire ça. Dans Jean 8, 44, on lit, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Donc, aujourd'hui, c'est ça. Les gens aiment Satan, puis nous, on aime Jésus. Puis on sait que Jésus va gagner. Puis nous, on va résister jusqu'à la fin. Puis on va pas laisser l'ennemi prendre du terrain dans nos familles. On va pas laisser l'ennemi prendre du terrain dans nos milieux de travail, dans nos villes. Amen. Il faut combattre. Comment qu'on va faire ça? Maxime Vachon, il n'est pas capable de faire ça. Maxime Vachon, il ne peut rien faire. Mais Jésus-Christ, qui habite en Maxime Vachon, peut combattre les puissances diaboliques. Donc, il faut apporter une canicule spirituelle autour de nous. Ça commence par nous. Il faut mettre du bois dans le poêle. À chaque jour, il faut se lever. Il faut lire notre parole. Il faut la méditer. Il faut la lire à voix haute. Il faut prier. Il faut aller en marchant, on prie. On s'en va en voiture, on prie. On met du bois, on met du bois, on met du bois parce qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur spirituelle dans la froideur intense du monde. Amen. Troisièmement, il y avait les apôtres aussi qui brûlaient beaucoup, puis qui ont fait leur chemin dans des villes qui étaient complètement idolâtres. Hein? C'était à cette époque-là une culture complètement païenne. Donc on n'a pas de défaite. C'était aussi dur, peut-être plus dur à cette époque-là que maintenant. C'était du paganisme mur à mur, les anciennes religions de mystère. Ça revient à dire que c'était du satanisme déguisé. Okay? Puis les apôtres se promenaient de ville en ville, puis prêchaient l'Évangile sur les places publiques, dans les maisons, partout. Donc, aujourd'hui, là, c'est sûr qu'une fois qu'on vient au Seigneur, hein, avant, on était dans le péché, puis on était bien. Hein, on allait dans les bars, on se sentait bien. On a regardé toutes sortes de films violents, avec toutes sortes de scènes. On était bien là-dedans. Mais maintenant qu'on est chrétien,
on n'est plus bien. Du moins, on ne devrait plus être bien quand on est entouré de péché. Dans le monde, c'est ça. Si on sort dans le monde aujourd'hui, ça blasphème, ça fait des blagues à toutes sortes de connotations sexuelles. C'est impossible d'aller dans le monde et de ne pas être entouré par le péché. Il y a une odeur de péché partout où ce qu'on va. Puis même qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde-ci, qu'on ne peut même pas parler tellement que c'est cruel, tellement que c'est méchant, qu'est-ce qui se passe dans des hautes sphères politiques, dans les pouvoirs de ce monde. Il y a une méchanceté extrême. Puis c'est un grand réconfort de savoir qu'il y a un Dieu de justice qui revient bientôt, qui va faire la justice. Hein? Avant d'être sauvé, je voyais ces choses-là. Je connaissais pas Dieu. J'étais désespéré. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire? J'essayais d'organiser des choses, hein, réveiller la conscience du monde. Mais là, maintenant que je suis sauvé, là, maintenant que j'ai la vérité, maintenant que j'ai le Seigneur avec moi, mais là, il ne faut pas que je garde ça pour moi-même. Parce qu'il y a des gens qui désespèrent, il y a des gens qui voient les ténèbres, il y a des gens qui... Il y a les démons qui les tourmentent. En plus, ils voient le monde en train de s'en aller. On a les Troisième Guerre mondiale, toutes ces choses-là. Les gens regardent ça. S'ils n'ont pas la foi, ils désespèrent. Nous, on n'est pas désespérés. Nous, Jésus a dit « Relevez la tête ». Quand vous verrez ces choses-là, relevez la tête, votre délivrance est proche. Donc, les apôtres ont brûlé tellement qu'ils ont mis le feu dans une génération complète. Hein? Ils ont utilisé les routes romaines, puis ils ont dispersé la parole, puis l'Évangile, c'est venu tellement, il y a eu tellement de personnes qui sont venues à l'Évangile à ces moments-là, que l'Empire romain a dû passer de persécution à infiltration de l'Église, parce qu'ils savaient que la persécution, ça n'allait pas fonctionner. C'est pour vous dire à quel point que les apôtres, les disciples, pas juste les apôtres, parce que les apôtres faisaient des disciples, hein, puis les disciples partaient, puis ils s'en allaient partout. Comme nous, on va repartir d'ici, on va aller parler à tout le monde. Puis là, ça ne passe pas par nécessairement tout le temps. Ça peut être Internet, ça peut être YouTube, ça peut... Mais personne à personne, bouche à oreille, rien qui peut nous arrêter. Hein, si chaque personne ici était utilisé par le Seigneur pour sauver deux personnes, puis que chaque deux personnes étaient utilisées pour sauver deux autres personnes. Vous pouvez voir comment qu'à l'époque, ça s'est répandu. Puis en plus, il y avait le Saint-Esprit qui se manifestait par des miracles pour appuyer la parole. Donc, vous savez, vous avez un feu, si vous avez un petit feu, okay? Un petit feu comme ça, puis j'arrive avec un verre d'eau, qu'est-ce qui va arriver? Ça va s'éteindre. Amen. Pourquoi c'est important d'avoir un gros feu de bois comme un champion d'évaporateur? C'est parce que si je rouvre les deux portes, puis je prends le même petit verre d'eau, puis Satan essaie d'éteindre le feu avec son verre d'eau, le feu ne le sentira même pas, ça part juste en vapeur. Puis je vous dirais plus que ça, par la grâce de Dieu, on l'a vu tantôt, si Satan arrive avec son verre d'eau, hein, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, Dieu est capable de prendre le verre d'eau puis de le transformer en gaz avant que ça arrive sur le feu. Amen. Dans 2 Corinthiens 5, 11, on lit que « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. » Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. « Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. » Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité
pour eux. Trois choses dans ce passage-là qui est important. Premièrement, connaître la crainte du Seigneur. Le Seigneur qui nous a sauvés, c'est le Dieu de justice, c'est le même. Il aime la droiture, il haït le péché. Deuxièmement, l'amour de Christ nous presse. Si on regarde au salut, ce que Jésus a fait pour nous, c'est la preuve de l'amour que Dieu a pour nous. Nous qui ne méritaient pas d'être sauvés, Dieu nous a aimés au point de mourir à notre place. Connaissez-vous quelqu'un autour de vous qui serait prêt à mourir à votre place? Si oui, vous êtes vraiment béni. C'est parce que c'est pas tout le monde qui va être prêt à mourir pour vous, mais Dieu l'a fait. C'est un amour infini qu'il y a envers nous. Puis troisièmement, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. On ne doit plus vivre pour nous-mêmes. On est devenu serviteur, sauvé pour servir. Amen. On s'en allait en enfer, frères et sœurs. C'est ça la vérité. Avant d'être sauvé, on était sur la route de l'enfer. C'est long l'enfer, avec les flammes. Donc, on doit mettre la volonté de Dieu au-dessus de tout. Hein? On doit être déterminé, on doit être décidé, on doit être ferme dans nos résolutions. Puis, on a l'exemple en Daniel qui se résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. C'est quoi les mets du roi aujourd'hui? C'est les fausses doctrines. C'est ce que vous pouvez trouver sur Internet, de la vérité mélangée avec du mensonge. Qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ça? On n'essaie pas d'étudier tous les mensonges pour savoir qu'est-ce qui est... Non, on prend le livre et on le lit pour nous-mêmes. C'est comme on prend un billet de banque vrai, on l'étudie. Après ça, tous les faux billets de banque, on va être rapidement capable de dire « ça, c'est faux, ça, c'est faux, ça, c'est faux. » Amen. Donc, brillance de pensée, chaleur d'esprit, ça, c'est un beau mélange. Hein? Pas avoir juste des connaissances dans la tête, mais il faut avoir de quoi dans le cœur. Il va y avoir de l'amour dans le cœur pour les pécheurs. Il faut les aimer. Il ne faut pas juste le garocher un paquet de versets, puis après ça, on les laisse avec ça. Il faut les aimer, ces pécheurs-là. Comme Jésus les a aimés. Amen. Parce qu'il y a un danger, hein? Il y a un danger d'agir, de penser d'agir pour Dieu, mais de ne pas être dans la volonté de Dieu. Si on ne lit pas notre parole, si on ne prie pas, on peut penser être en train d'agir pour Dieu, puis on est en train de ne pas agir pour Dieu. On peut se perdre là-dedans. Donc, c'est important de rester dans les Écritures, de se nourrir. C'est important parce qu'on veut achever la course. On veut garder la foi jusqu'à la fin. C'est la foi qui nous sauve. C'est la foi. Vous savez, si vous avez une maison, plusieurs d'entre vous doivent avoir une maison, des logements, hein, vous savez que si vous construisez une belle maison, mais que vous ne la chauffez pas, qu'est-ce qui arrive? Les fondations craquent. La pourriture commence à pogner dans le coin des murs. Puis en peu de temps, si vous ne mettez pas de chauffage dans votre maison, vous allez avoir des dommages qui vont vous coûter bien de l'argent à réparer. Puis si vous laissez ça aller encore un peu, ça se peut que ça soit fatal pour votre maison. Nous, on est un temple. Nous, il faut chauffer le temple. Amen. Je tape le clou de la chaleur aujourd'hui. Il y a un dernier exemple qui était Esther, la reine Esther, donc cette femme-là qui était une femme de Dieu dans l'Ancien Testament, qui avait une consécration totale pour Dieu, corps, âme et esprit. Hein? Dieu, vous savez, il n'est pas content avec la formalité, le cérémoniel, la tiédeur, il n'est pas content, l'indifférence. Ce qui est simulé, faire à semblant de
truqué, trompe-l'œil, parader, genre, ah, mais porter le nom de Jésus sans marcher avec Jésus. Faire étalage de nos connaissances bibliques, mais on ne les met pas en pratique. Jésus n'est pas content. Donc, tout ça, là, ça équivaut à une mort spirituelle. On peut être mort, on peut être en façade, sembler vivant, puis à l'intérieur, être mort. Jésus l'a dit aux religieux. Jésus les a critiqués sévèrement pour ça, même. Dans Amos 5, 21 à 24, on lit que « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit jamais. » Ce que j'ai écrit ici, c'est « Qui sommes-nous en dehors de l'Église? » Quand on n'est pas ici, qui sommes-nous? Qu'est-ce que Dieu pense de nous? C'est important. Est-ce que les gens disent « Ah, ces chrétiens-là, c'est toute une gang d'hypocrites qui vont juste là le dimanche, puis dans le fond, faut pas que ça soit ça. Faut pas que ça soit ça. » Dans Ésaïe 1, 14, « Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. » Donc, on voit ici que, on va revenir à Esther. Esther était une femme humble, fidèle, sainte, puis elle était mise face à une situation pas facile. Elle était mise face à une situation que, si elle n'agissait pas, c'était le peuple qui allait être tué au complet. Les Juifs allaient être tués par complot. Mais cette femme-là était humaine comme nous. Elle a été face à un dilemme. Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que nous aussi, on est face à ce même dilemme-là à chaque jour. Individuellement, comme Église, on a des actions à prendre. Puis ces actions-là, il y a un prix à payer. Puis Esther savait le prix à payer. Si elle s'en allait voir le roi, elle mettait sa vie en danger. Elle était face à ça. Elle-même, le peuple. Elle-même, le peuple. Nous-mêmes, les âmes. Nous-mêmes, les âmes qui sont perdues. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Dans Esther 4,16, on lit que Esther a dit « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mais on voit ici, elle ne l'a pas fait par ses propres forces. Elle a demandé aux autres de jeûner pour elle, puis elle-même a jeûné, puis elle s'est remise dans les mains de Dieu, puis elle est passée à l'action. Puis on connaît la suite. Puis par expérience, avec le Seigneur, souvent la suite, c'est majoritairement toujours positif. C'est souvent la victoire sur l'ennemi, c'est la victoire sur le péché. Hein, il y a toujours un pas de foi à faire pour faire quelque chose d'important pour Dieu. Il faut toujours mettre un pied dans le vide. Mais l'attitude à avoir, c'est l'attitude qu'on vient de voir de la reine Esther. Cette flamme aussi consumait Paul, vous savez, l'apôtre Paul. On lit dans Actes 20, 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Si on avait toute cette résolution-là, cette attitude-là, cette philosophie-là,
ça fait partie d'un christianisme qui est le vrai christianisme que rien ne peut arrêter. Rien n'a pu arrêter l'apôtre Paul jusqu'à temps que Dieu dise « bon, c'est fini ». Mais l'apôtre Paul a mis le feu partout. L'apôtre Paul a répandu l'Évangile partout. Il y a eu des âmes sauvées par milliers. Amen. Il y a eu des fruits. Il y a eu des fruits dans son ministère. Ça n'a pas été facile. Il a payé le prix. Hein, moi, je viens de Magog. Je vais à l'église à Chambly. Des fois, les gens me disent « ça fait pas mal de voyageage. Ouais. » Mais je suis dans un char à l'air climatisé. Puis j'ai le cruise control. L'apôtre Paul, il se promenait à pied sur des routes avec des criminels tout le tour. Hein? Ils ont mis des efforts. Nous aussi, on a des efforts à mettre. L'apôtre Paul, il ne s'est pas assis en Indien à prier sans rien faire. Sinon, on ne serait pas ici aujourd'hui. Puis Jésus a dû se sacrifier lui-même premièrement. Il a dû faire l'œuvre de la croix. Il y a eu quelque chose qui a été fait. Donc, si on veut faire des exploits avec Dieu, hein, des fois, on se dit, voyons, Dieu, il semble que tu fais pas, tu sais, j'aimerais ça que tu te manifestes plus, j'aimerais ça que... Bien, il faut avoir ce feu-là. Il faut nourrir le feu, premièrement. Il faut passer à l'action. Il faut... Dieu va bénir. Dieu va faire des exploits. Dieu va nous mettre sa main sur ce qu'on va faire. En conclusion, 1 Corinthiens 10, 11 nous dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles sont écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Je pense qu'on ne s'ostinera pas trop longtemps pour dire que ça s'adresse à nous. On est parvenus à la fin des siècles. Tous les versets de la Bible au complet sont pour notre instruction aujourd'hui, à nous personnellement, pas le voisin, c'est pour nous. Puis on voit comment ces hommes de Dieu-là, ces femmes de Dieu-là, ont agi, avec quelle résolution, avec quelle chaleur, comment ils ont bouleversé le monde entier de leur époque. Puis on voit à quel point, dans Apocalypse 2:1 aussi, que Jésus porte une importance à ce premier amour. Hein? On lit dans Apocalypse 2:4, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Faut pas tomber dans le prendre pour acquis le Seigneur. Amen. C'est mortel dans une relation. C'est dans un mariage, c'est mortel dans une relation avec Dieu aussi. Donc, moi, j'ai pas envie de tomber face à face avec Jésus bientôt, puis d'avoir honte. Puis je pense que de se rappeler ça, que bientôt Jésus revient, puis ça peut être à chaque jour. Ça peut être avant la fin de la réunion. Qu'est-ce que j'ai fait avec les talents? Qu'est-ce que j'ai fait avec ce que tu m'as donné? Les œuvres que tu avais préparées d'avance pour moi, je n'ai-tu fait 10%, 20%, 50%? Parce que ces fois, ça nous arrive, on passe à côté d'une œuvre préparée d'avance pour faire « Ah, ça, c'était une œuvre préparée d'avance. » Puis d'autres fois, on se dit « Ah, t'hésites, tu passes à l'action. » Puis là, tu disais, si je serais passé, j'aurais jamais su que c'était un œuvre préparé d'avance. Amen. Fait qu'il faut être proactif. Dans Apocalypse 3, 13, on lit aussi que « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. » Vous savez, être tiède, c'est un mélange de froid puis de chaud. C'est un mélange de un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Si on veut être chaud, il faut tasser le pied dans le monde puis l'emmener dans le Seigneur. Amen. Il ne faut pas faire de compromis dans notre vie. Il faut être radical pour que le feu brûle. Donc, je vais revenir à l'image du champion. Hein? J'aime cette image-là parce que le champion de l'évaporateur, c'est aussi le champion hein, de quelqu'un qui est victorieux, de quelqu'un qui a des victoires. Okay? Puis ce champion-là là, qui sert à faire évaporer l'eau d'érable là, puis en extraire le sucre. Okay? Mais il fallait se lever tôt le matin. Grand-père Rosaire se levait le matin, 2, 3 heures, 4 heures, puis il commençait à remplir le champion de bois. Puis à toutes les 10, 15 minutes, ça chauffait tellement que le bois brûlait vite. Il rouvrait les portes. Il allait dans l'entrepôt, il remplissait le champion de bois, il refermait les portes,
Ils surveillaient pas qu'il manque d'eau. Parce que s'il manquait d'eau dans les pannes, ça scrapait les pannes, ça. C'était critique. Mais on voit que nous, des fois, on a de la misère dans nos vies chrétiennes. On n'est pas dans la victoire dans certains péchés puis tout ça. Moi, j'ai envie de vous dire, allez puiser dans réserve de bois franc, du bon bois d'érable, mettez ça dans le poêle à bois, puis alimentez ça de prière, puis faites confiance à Dieu pour vous donner la victoire dans vos combats. Amen. C'est simple, la vie chrétienne. C'est tellement simple que c'est facile de se tanner. Si on ne fait pas attention, si on n'est pas humble, puis si on se laisse aller au monde, c'est tellement simple. Mais on a une parole ici qui est tellement riche, puis moi, des fois, j'ai des combats, j'ai des attaques, j'ai des... Qu'est-ce que je fais? Je rouvre le livre des psaumes, puis je suis chez nous, debout, je lis les psaumes à voix haute, puis ça prend 15 minutes, ça prend une demi-heure, puis tout d'un coup, il y a une paix qui revient, il y a une joie qui revient. Demandez-moi pas de vous l'expliquer, ça marche. Faisons juste confiance à Dieu. Amen. Je vais vous laisser sur trois points. Vous savez, il y a le triangle de feu. Hein? Triangle de feu, ça prend quoi pour faire un feu? Ça prend du combustible, le bois. Ça prend du comburant, qui est l'air. Puis ça prend de la chaleur. C'est les trois C. Bon. S'il en manque un, le feu, il s'éteint. Ou il ne part pas. Bon, nous, la chaleur, elle vient de Dieu. La chaleur, c'est Dieu qui l'a mis dans notre cœur. C'est le Saint-Esprit. Après ça, il y a deux autres C dans notre vie chrétienne. Bon, ça ne commence pas par C ici, mais mes trois C, c'est premièrement, il faut craindre Dieu. Il ne faut jamais arrêter de craindre Dieu. Il ne faut jamais arrêter de penser que Dieu, ça ne dérange pas les péchés qu'on a dans nos vies. Puis, il faut se repentir. Il n'y a personne ici, incluant moi, qui n'a pas de péché en ce moment dans sa vie. Bien, il faut avoir de la repentance pour ces péchés-là. Ça, c'est le premier C. Deuxième C, il faut aimer Dieu. Il faut l'aimer, Dieu. Comment qu'on fait ça, aimer Dieu? C'est quoi ça, aimer Dieu? Bien, c'est aimer ses commandements, oui. Mais si on n'aime pas sa parole, si on ne la lit pas, sa parole... Et si je ne passe pas de temps avec ma femme jamais, puis je dis que je l'aime, elle va finir par ne pas me croire. Il faut aimer Dieu. Il faut passer du temps dans la prière. Il faut passer du temps avec lui. Fait qu'il faut craindre Dieu, premièrement. Il faut aimer Dieu, deuxièmement. Puis troisièmement, on a une raison ici-bas. Dieu nous a sauvés pour servir, pour sauver des pécheurs. Puis ça, il faut aimer les pécheurs. Il ne faut pas tomber dans une mentalité, « Ah, regardez ce qu'ils font les pécheurs, nanana. » Les pécheurs, ça fait ce que les pécheurs font. Nous, on a été sauvés, on fait ce que les chrétiens font. Mais nous, il faut les aimer, il faut passer par-dessus pour leur amener l'amour de Dieu, il faut leur amener la parole, il faut leur amener la vérité, il faut intercéder pour eux aussi, il faut se mettre sur nos genoux. Et si on fait ces trois choses-là, c'est sûr que le feu va s'en remettre à brûler, puis avant longtemps, il va brûler fort. Amen. Baissons nos têtes et prions. Seigneur Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as aimés le premier Seigneur. Tu as vu notre misère, tu as vu dans quel bourbier nous étions, Seigneur Jésus, sur quel chemin, Seigneur, nous étions en train de marcher vers l'enfer, Seigneur Jésus, vers la condamnation éternelle. Et Seigneur, tu as eu compassion, Seigneur, pour nous, pour chacun de nous ici aujourd'hui. Et Seigneur, tu es venu ouvrir nos yeux, Seigneur, pour qu'on voie c'est quoi, Seigneur, que tu as fait sur la croix, Seigneur. Tu es mort, Seigneur, pour des pécheurs comme nous, Seigneur, parce que tu nous aimais, parce que tu voulais nous sauver, parce que tu voulais avoir une communion personnelle, Seigneur, avec chacun de nous. Seigneur, nous te remercions, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous te prions, Seigneur, de faire de nous, Seigneur, des bons acériculteurs, Seigneur Jésus, des chrétiens, Seigneur,
prennent soin de leur feu, Seigneur, intérieur, Seigneur, par la lecture, la méditation de ta parole à chaque jour, Seigneur Jésus, par la prière, Seigneur Jésus, par une communion avec toi, Seigneur intime, Seigneur. Et Seigneur, si nous avons des péchés, Seigneur, dans notre vie, que nous puissions les haïr, Seigneur, comme tu les hais, Seigneur, que nous puissions nous repentir aujourd'hui, Seigneur, de ces péchés, Seigneur, sachant, Seigneur, que tu pardonnes, Seigneur, tu es un Dieu de miséricorde, Seigneur, et que tu pardonnes tous ceux qui se repentent, Seigneur. Peu importe c'est quoi le péché, Seigneur. Merci Jésus, merci pour ton assemblée, Seigneur. Puisses-tu bénir, Seigneur, tous les frères et sœurs, Seigneur, de l'assemblée ici, Seigneur de l'Église. Dans ton précieux nom, le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.